Les vertus de l'ananas. Remarqué par Christophe Colomb en Guadeloupe en 1493, l'ananas n'est introduit qu'une quarantaine d'années plus tard en Europe, d'abord à la cour d'Espagne. Apprécié sur les tables royales, il fait l'objet d'une culture sous serre, en France, en Hollande et en Grande-Bretagne jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il est ensuite importé des pays tropicaux dans lesquels se répand sa culture. En France, il demeure un produit de luxe à la consommation confidentielle jusque dans les années 1980. Depuis une trentaine d'années, il compte parmi les fruits de consommation courante. L'ananas est riche en vitamine C et en manganèse, aux vertus antioxydantes et fournit en plus faible proportion de nombreux autres micronutriments. La plupart des vertus pour la santé qui lui sont attribuées sont en lien avec son apport de bromélaïne, un complexe d'enzymes permettant notamment de digérer protéines et divers glucides. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est préférable de le consommer cru. Sucré et juteux, il se prête à de multiples recettes, de l'apéritif au dessert. De nombreux sites internet et méthodes minceurs vantent ses mérites de « fruits minceurs » et « fruits brûle-graisse ». Et c'est vrai qu'en plus de son bon goût, l'ananas est un fruit qui recèle de bienfaits santé. En effet, ses nombreuses vitamines, minéraux, nutriments et enzymes sont très utiles pour aider notre organisme à lutter contre des maladies et des infections. Allons découvrir quelques-uns de ses bienfaits sur notre santé. 1. L'ananas aide à lutter contre l'asthme. Quand on souffre d'asthme ou de bronchite chronique, on se sent souvent encombré, au niveau des bronches. Et bien comme l'ananas est un fruit qui aide notre organisme à se débarrasser des toxines et à réduire le mucus présent dans notre corps, c'est un fruit dont on doit privilégier la consommation si l'on souffre de l'une de ces deux pathologies. 2. Il aide à booster notre système immunitaire. L'ananas est un fruit qui renferme de nombreuses vitamines. Parmi elles, la vitamine C qui a des propriétés immunostimulantes, antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires. Un vrai cocktail pour aider notre organisme à lutter contre les agressions extérieures. Et comme le broméline contenu dans l'ananas possède aussi des vertus anti-inflammatoires, ce fruit est vraiment recommandé quand on souffre de douleurs et d'inflammations articulaires. 3. Purifie le sang. L'ananas aurait une action purificatrice sur la circulation sanguine, il serait donc considéré comme un remède naturel contre les caillots de sang dans les veines. En effet, l'ananas contient des enzymes qui favorisent l'élimination des toxines et des déchets qui encombrent notre organisme. Alors après une petite période d'excès, on sait quel fruit privilégier. De même, comme l'ananas est un fruit très riche en eau, il va aider notre corps à drainer les liquides et à lutter contre la rétention d'eau. 4. Aide à avoir un ventre plat. L'ananas est un fruit réputé pour être une bonne source de vitamines, de minéraux, et de fibres, bien sûr. Alors s'il y a des périodes où l'on se sent ballonné, ou que notre transit fait un peu le paresseux, c'est le fruit à privilégier pour nos petits moments de détente. Bon, comme on ne croque pas dans un ananas aussi facilement que dans une pomme, autant en découper quelques morceaux et les mettre dans un yaourt, ou boire du jus d'ananas. Comme ça, on est sûr de retrouver un ventre plat en douceur. 5. Aide à brûler les graisses. L'ananas serait un des fruits aidant le plus à perdre du poids car, s'il est consommé seul, il s'attaquerait aux réserves de lipides en brûlant les surplus de graisse. C'est pour cette raison que de nombreux régimes et cures d'amaigrissement incitent à une consommation excessive d'ananas. Cette croyance peut être malheureusement fausse car jusqu'à présent, l'action de l'ananas sur le brûlage des graisses n'a pas encore été prouvée scientifiquement. 6. Soigne le rhume. En effet, la vitamine C contenue en grande quantité dans l'ananas est réputée pour faire baisser le taux d'histamine dans l'organisme.
Pour rappel, c'est l'histamine qui provoque les écoulements de nez et les picotements des yeux quand on a un rhume. Donc consommer de l'ananas est bon pour arrêter le rhume. 7. Aide à prévenir l'ostéoporose. Grâce au manganèse, notre organisme va créer du collagène, une substance indispensable pour les os, la peau et le squelette. C'est pourquoi quand notre corps souffre de carence en manganèse, notre squelette devient plus fragile, perte de densité osseuse, etc. Or, si l'on mange juste 200 g d'ananas, on aura consommé bien plus de 100% des apports nutritionnels recommandés en manganèse. 8. Pour lutter contre le cancer. En effet, plusieurs essais cliniques et des études scientifiques ont montré que la broméline contenue dans l'ananas pouvait avoir un impact sur les cellules cancéreuses et leur micro-environnement. Sans doute parce que la broméline a un effet immunostimulant. Les recherches sont prometteuses et elles attendent d'être approfondies. Mais en attendant, manger de l'ananas ne coûte vraiment rien s'il s'agit de prévenir le cancer. 9. Prévenir les maladies cardiovasculaires. La broméline, toujours elle, décidément, contenue dans l'ananas a de nombreux bienfaits santé, elle est anti-inflammatoire, anti-plaquettaire et fluidifie naturellement le sang. En d'autres termes, l'ananas est parfait pour prévenir l'apparition de caillots sanguins. L'ananas est donc un allié de poids pour nous aider à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, hypertension, etc. 10. Apaise les maux de gorge. Comme il possède des propriétés anti-inflammatoires, grâce à la broméline, et immunostimulante, grâce à la vitamine C, l'ananas est le fruit à consommer quand on a des maux de gorge. En effet, en cas d'irritation de la gorge, il est conseillé de boire du jus d'ananas frais, ou se faire des gargarismes. Au bout de quelques verres, notre gorge sera moins irritée, picotera moins et on aura nettement moins mal. 11. Contre la constipation. L'ananas est riche en cellulose, une fibre permettant d'améliorer le fonctionnement de notre système digestif, notamment en favorisant la digestion et évitant les problèmes de constipation. 12. Soulage les règles douloureuses. Une étude a montré que la bromélaïne avait un effet relaxant sur le col de l'utérus pendant les règles, ce qui soulageait les douleurs menstruelles. Pour cette raison, le jus d'ananas est considéré comme un remède de grand-mère quand les règles sont douloureuses. 13. Un anti-inflammatoire efficace. Il serait également un très bon anti-inflammatoire. En effet, la bromélaïne qui le compose inhiberait la production des prostaglandines, des substances qui causent des inflammations. 14. Un remède naturel contre les verrues. L'ananas est un excellent remède naturel contre les verrues. Si vous êtes dans ce cas, frottez de l'ananas contre la verrue pendant une minute, deux fois par jour, jusqu'à disparition de la verrue. 15. Soulage les douleurs musculaires. Selon un certain nombre de médecins, la bromélaïne a une action sur les muscles douloureux, les tendinites et les inflammations tissulaires. De nombreux sportifs en consomment ainsi en amont d'une séance de sport de manière à réduire les douleurs musculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, likez et partagez massivement pour faire profiter à d'autres personnes autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.